hier, Jantjens Hutchinson devait reprendre sa revanche sur Plusance. Et on croyait que ça allait se faire aujourd'hui dans la course de Superstock, mais la course de Superstock a été remportée à deux mains. Et ben non, ça s'est fait dans la course de Supersport. Jan Hutchinson, je ne sais pas si vous en rappelez, il y a 5 ans, il a gagné 5 TT, donc il promettait énormément. Hélas, il y a 5 ans aussi, il a eu un grave accident sur un circuit fermé. Il a souffert 15 opérations, il a failli perdre sa jambe. Et au final, le mec, il est là, il est revenu. Et avec la moto du chanteur de Prodigy, il a gagné en super sport. Et Marty a eu l'occasion de le rencontrer il y a 2 ans à la Foire de Lyon. Comme il dit, c'est une personne tout à fait normale, très gentille, très simple. Et tellement simple qu'aujourd'hui, il s'est ému à la conférence de presse. La première question a été pour lui et il a répondu même presque en pleurant, tellement je crois qu'il y croit pas et qu'il réalise pas. On est super content pour lui et aujourd'hui, vous allez pouvoir suivre donc les images de la course de Super Sport par Marty Moto sur Gooseneck et sur les hauts de Gooseneck. Merci beaucoup et partagez à fond et plein gaz motard. Aujourd'hui, c'était un de ses jours au OTT. La Jatin était super chargée avec 3 courses et 2 sessions d'essai. Mais très tôt, il y a eu quelques changements car suite à un accident entre spectateurs, l'organisation a décidé de décaler la course de Superstock à mardi. Du coup, les premiers à sortir sur la piste étaient les pilotes de Super Twin et Super Sport qui ont pu faire un tour d'essai. Il y a eu plusieurs chutes, dont celle de William Dunlop qui, après un passage à l'hôpital, n'a pas pu participer dans la course de cet après-midi. La journée de course a commencé par les sidecars qui furent remplis de surprises. Premièrement, les favoris Dave Molineux et Tim Reeves aux côtés de leurs singes respectifs qui ont dû abandonner dès leur premier tour. Ce qui a permis aux Birchall Brothers et à John Holden et son singe Dan Sell de prendre l'avantage et ne l'ont pas lâché jusqu'à la ligne d'arrivée au bout du troisième tour. C'est leur deuxième victoire au TT en seulement 3 ans. À 18h30, la course tant attendue de Supersport commençait. Et la vérité est telle que personne n'a été déçu. De même que pendant la course de Superbikes au jour précédent, il y avait 3 leaders différents. Celui qui a enclenché direct a été Gary Johnson avec sa Yamaha, qui a pris la tête jusqu'à Glen Helen. L'année dernière, il gagnait cette même course avec la Triumph et cette année, il donnait l'impression de refaire la même. Pourtant, l'infatigable Bruce Anstey, qui venait de gagner la course de Superbike, le dépassait dans la zone de Ramsey. Mais tout cela ne fut que provisoire lorsque le fils prodige, Jan Hutchinson, savait clairement que cette victoire ne pouvait pas lui échapper. En passant par la ligne droite de Grandstand, Hunsey a réussi une performance de 126 miles par heure de moyenne et se plaçait en tête de la course, bien qu'avec peu de différence. Il restait alors 3 tours et on aurait dit que les protagonistes de la course allaient être les mêmes qu'hier. Dans le deuxième et troisième tour, beaucoup de choses se sont passées. Tout d'abord, Guy Martin, qui eut une pénalisation de 30 secondes pour ne pas respecter la vitesse au pit lane alors qu'il allait en 4e position. Entre la panne d'hier et ce manque de concentration, beaucoup de choses devraient se passer pour que Guy puisse gagner son premier TT. Il y a eu 2 abandons assez importants, celui de Dean Harrison à Crosby et celui de Michael Dunlop à Kirkmichael, encore affecté par sa chute d'hier. En tête, Hutchie a maintenu un très bon rythme jusqu'à mettre 8 secondes dans les talons de Bruce Anstey. Au dernier tour, le Néo-Zélandais essayait par tous les moyens de réduire la distance en réussissant à la baisser à 5 secondes. À la fin de la course, Hutchie est arrivé avec un avantage de 8 secondes grâce auquel il gagna son 9e TT à la hauteur d'un grand comme David Jefferies. Ce TT signifie énormément pour Hutchie car après son grave accident en 2010 dans lequel il a presque perdu la jambe, beaucoup ont pensé que sa carrière était finie et que plus jamais il n'allait gagner aucun TT. La conférence de presse fut très émouvante dans laquelle le pilote anglais a versé quelques larmes.
Hutchy a fermé pas mal de bouches et avec une première position aujourd'hui et une deuxième hier, il a démontré être aussi en forme que Bruce Anstey et que la supériorité de Michael Dunlop peut se terminer à n'importe quel moment. En ce qui concerne les pilotes de martimoto.com, aujourd'hui le protagonisme revient à notre coureur français Timothée Monod qui a gagné la deuxième réplica de bronze de sa carrière mais la première fois dans la catégorie de supersport. Au Manx Radio, ils avaient annoncé qu'ils ne pouvaient pas prendre le départ pour cause de problèmes mécaniques de dernière heure. Mais finalement, l'organisation l'a laissé partir en dernière position. Tim était très énervé à cause de ce qui lui venait d'arriver. Mais il a été capable de se concentrer au maximum et bien qu'il a rencontré pas mal de trafic devant lui, il a réussi à remonter 13 positions et se placer comme le meilleur pilote français de la catégorie de supersport en gagnant une réplique de bronze qui a été pour lui comme une victoire. Tim, nous sommes très fiers de toi. En ce qui concerne Peter Hickman, il a seulement pu arriver à la 21e place sur sa MV Agusta, mais qui a sans doute le bruit le plus chouette. Et finalement, Paul Shoesmith, encore très atteint par la perte de Frank Petrikola, a couru assez loin de son meilleur temps en finissant en 43e position. Voilà pour la journée d'aujourd'hui et à demain pour une nouvelle prouesse et beaucoup d'espoir pour la course de Superstock. Plein gaz motard. Écoute Marty, aujourd'hui c'était la première course Supersport du TT 2015. Après tous les problèmes qu'on a eu pendant la semaine d'essai avec la tonnelle, les problèmes mécaniques et tout. La première course ça a démarré super mal parce qu'au contrôle technique ils nous ont refusé car une petite soudure était en train de se défaire au niveau de l'échappement. Donc en urgence on a dû trouver un échappement, enfin les mécanos Romain et Steph ont dû trouver un échappement et le remonter en très peu de temps. Donc on a pu passer la moto au contrôle tech et j'ai pu me présenter sur la grille de départ. Et là encore sur la grille de départ les commissaires techniques m'ont retardé au maximum parce que la moto fumait, mais c'était dû à la graisse qu'il y avait sur l'échappement et c'était juste une bricole. Mais du coup je devais partir 36e et ils m'ont fait partir dernier, donc je crois que ça doit être dans les 70-80 participants, loin dernier, derrière pardon. Donc je suis parti un peu énervé et très vite j'ai retrouvé mon rythme. Je me suis fait quelques frayeurs, la moto elle réagissait pas du tout comme aux essais, mais sûrement dû à mon rythme un peu plus élevé qu'aux essais. Et puis bon, mine de rien, le premier ravitaillement s'est très bien passé, parce que là, Chacal, Steph et Romain, c'était leur première fois à E3. Ils ont assuré, donc c'est super, j'ai perdu très peu de temps. Et au final, la course, je fais 41e je crois, avec une réplica silver. Premier français, bon, c'est pas trop mal, j'espère faire mieux la prochaine course et voilà, maintenant on sait quoi faire et surtout ne pas quoi faire, voilà.